la peine de prendre l'œuf, vas-y, on s'en fout. Ça n'a plus d'œuf, mais putain, je. J'arrive pas à. Et vas-y, moi je peux rien faire, bouge. J'arrive pas à me lever. Dégage. Je suis bloqué avec ce putain d'œuf à la con. Bon allez, on va bientôt commencer, j'espère pas me faire bannir pour le son. Je vais peut-être l'enlever carrément. Allez, c'est parti. J'ai dû fermer Twitch moi à tous les coups. Je veux juste me voir mon retour pour voir si j'ai du son. Ouais, bon, ça fera le taf. Ça fera le taf, ça fera le taf. Donc, salut tout le monde. Les une personne que j'ai dans le chat qui est moi-même. Donc, dans l'idée, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie, bon, déjà, je suis bête. Hop, on va aller sur Figma. Et après, on va regarder le package Frizzed, pardon, celui-ci, parce que je le vois utilisé partout, je l'ai jamais utilisé et j'ai toujours pas compris à quoi il servait. Et je l'ai pas regardé approfondiment, je l'ai juste survolé vite fait. Donc, on va voir, on va le tester. D'abord au Taco Collection pour que vous voyez un peu l'évolution de l'app. Ça a un peu changé, hein.
J'ai fait un petit post sur Twitter tout à l'heure et sur Insta aussi pour vous montrer quelques screenshots. Donc, pour qu'on voit un peu, les couleurs, c'est pas du tout fini par contre. Donc, comme on voit, page d'accueil, on choisit si on se connecte ou pas. Truc basique, on se connecte, là on se connecte, et là on s'inscrit. Ça, je pense qu'elle va changer cette image. Je ne suis pas encore convaincu à 100% par l'image. Ensuite, on arrive sur cette page, on choisit un shonen, un shonen, un shoujo, les nouveautés. Là, c'est notre collection. Là, c'est notre liste d'envie qu'on peut switch en affichage comme ça ou en affichage comme ça. Après, là, c'est pour modifier son profil, son image de profil, son pseudo, ça truc. Si on préfère les mangas ou les animes, parce qu'en fonction de ce qu'on préfère, en fait, ça affichera en premier dans la liste d'envie et dans les collections. Ça affichera en premier là ce qu'on préfère, si on préfère les animes ou les mangas. Ensuite, ben voilà, l'affichage. Là, c'est pour rajouter des nouveaux mangas. Par exemple, on sélectionne Blame, ajouter à la collection. Là, cette page apparaît avec le nombre de tomes qui existent en cours et on choisit des tomes. Tome 1, tome 2, quand on valide, hop, ça ajoute automatiquement Blame à notre collection. Si on clique sur une collection, par exemple Devtopia, on va ici, ça nous les affiche, tous les tomes en cours, et ça affiche avec un petit astérisque rouge si oui ou non le tome on le possède ou on ne le possède pas. Par exemple, celui-là on le possède, tac, le tome 6 on ne le possède pas. Donc le tome 6, en fait, quand on va cliquer dessus, aujourd'hui, je pense que je vais rediriger sur Amazon avec un lien d'affilié. Je pense, histoire de toucher une petite commission, mais je suis pas convaincu. Je trouve le business model un peu pourri, un peu foireux. Donc voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, ça sera redirigé sur une plateforme d'achat. Si la personne comme ça elle veut acheter directement depuis l'app, ça peut être utile. Après, je pense pas que c'est le truc le premier, parce que même moi le premier, je suis pas sûr d'utiliser ce service. Tu vois. Par exemple, je pense que je suis content de pouvoir classer mes mangas et tout, mes animes que j'ai regardés. Est-ce que j'ai vraiment envie de... Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter par l'app? Je sais pas. Parce que ça m'est arrivé par exemple d'utiliser déjà une app qui le fait. Et je sais qu'elle a le service, je sais que c'est des liens d'affiliation. Voilà. Je suis pas sûr de vouloir l'utiliser. Je l'utilise pas personnellement. Je sais que par exemple, voilà, je regarde où j'en suis. Je sais qu'il faut, par exemple, faut que j'achète le prochain tome de Jujutsu Kaisen. Prenons l'exemple parce qu'il est en plein milieu grand. Ben, je sais, je vais regarder dans l'app combien de tomes je possède. Et je vais partir sur Amazon ou sur la Fnac ou sur le site ou l'endroit où je vais acheter pour acheter le tome que je veux. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. À voir, à voir, à voir. Franchement, à voir. Je suis pas très convaincu par. Hop. Pardon, on va juste faire un truc. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref, c'était pour vous montrer où l'app. Vous voyez, elle a bien avancé. Les trois boutons du bas ne seront pas du tout comme ça, mais c'est pour avoir une idée. Là, c'est l'accueil qui va nous ramener sur cette page. Cette page-là, c'est notre collection. Et cette page-là, c'est la liste d'envie. Et ça sera réparti centré avec les trois boutons en bas. Pour le moment, je suis sur ça. Les couleurs, c'est pas définitif du tout. J'hésite à mettre le bouton Facebook. Le bouton Google et Apple, oui. Facebook, je me pose la question. Et sinon, voilà. Voilà l'idée. Là, peut-être que ce sera pas ça avec trois images. Mais j'avance tout doucement. Bientôt, on va attaquer le développement. Et le développement, lui, par contre, sera streamé. Bien évidemment. Donc, maintenant que ça c'est fini, allons voir notre package Freezed. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application vierge qu'on voit ici, sur laquelle ben on va tester. Va tester le package. Tout simplement. Donc, pour tester le package, j'ai découvert plusieurs choses. Eh bien, d'abord, on va lire le package. J'ai ouvert le GitHub du package, fait par Rémi Roussel. Et dernier truc, un petit article sur dev.to, j'adore ce site, qui
qui parle du package. Après, il y a une vidéo de Réseau Codeur, il me semble, qui est un super. Ouais, c'est Réseau Codeur. Top, top, tiens-toi. Super chaîne pour du flutter. Peut-être pour le regarder, je sais pas, on va bien voir. Je préfère quand même d'abord checker, lire l'article et puis après on verra. Donc, up, 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 does not support. Ouais, c'est à partir du 0.15, ok. If you want to keep using, cannot migrate to Celtic, use the version 2.7. Ok, il faut rajouter freeze, defreeze annotation en dependencies override. Ah oui, non, on s'en fout. Alors, il y a beaucoup de code generable to deal object. J'ai peine envie de mettre un peu de musique, mais je sais pas si je vais pas me faire ban, on va aller voir. On va tenter. On va quand même tenter. Tant pis si je me fais ban. Si je me fais ban, je jure que cette chaîne, ça marche pas. To help deal with your meta. Ouais. How to use it? To be used, phrase, we need to typical build runner code generator. Je suis d'accord. Ok. First install build runner and freeze to ending to the path YAML. Ok, freeze annotation, ça j'ai compris. Bon. Ok. Donc on va dans le YAML, on ajoute freeze annotation en dependencies. Et après en dev dependencies, il me semble raté. Je ne vais pas ouvrir non plus Slack. Ouais. Et en dev dependencies, build runner et. Donc, on ouvre ça, on ajoute en dev dependencies, build runner. S'ajouter en dessous de Flutterlin, ça tous les coups. Et ensuite, on a dit qu'on ajoutait bah, le fameux package. Ça pourrait être pas mal quand même. Ok. Ensuite, disabling, avoid notification target, warning, j'ai. Ok. Run generator. If your package depends on Flutter, ok. But not valid. Most code generator freeze will need POF import from meta chain. Ouais. Ok, on va aller directement voir l'article, il avait l'air mieux. Donc, il crée le projet. Dans l'YAML, il ajoute freeze qui va lui permettre build runner pour tool et contains annotation. Ok, we need un non, build, ok. After that, tu runs un pub get. Bon, ça, je l'ai fait. A Flutter, live die indefinite data class using the freeze class. In this case, we do need to define the property, but instead of that, we need to define factory constructor. Ok.
We need to notation that define class to freeze the so our class looks like. Ok. Donc en théorie, je crée un nouveau fichier. User de tarte. Je le fais en mode super simple. Et il fait quoi? Il importe freezed. Il... Putain, j'ai fait une bêtise. Je fais une bêtise. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il importe freezed. Freezed annotation. Il dit que ça fait partie de user. Oups. User.freezed. Bruise. Not art. Ça sera le code généré à tous les coups. Et donc tu fais @freezed. Donc c'est une classe user with raté, c'était un. Ok. Après const. Ok. Pourquoi je vais écrire user comme ça moi? Je suis têtu, hein. Après factory. User. Donc il a besoin du nom. Jusque là on est d'accord. Et il a besoin de quoi d'autre? De l'email. Ouais bon il fait un user à la con quoi. Et après je pense qu'il a besoin du is valid ou pas. Ouais. Arrobase default. On va lire après pourquoi il fait ça. Bien évidemment, vous inquiétez pas, on va lire après pourquoi il fait ça. Donc en défaut value, c'est true. J'ai vraiment des trucs à apprendre en Dart. Is active. Ok. Et tout ça, c'est égal à un user. Ok. Ah pardon, un underscore user. Donc, let's we define, dive into data class using freeze class to define class of freeze and define. Instead of that, we need to define factory constructor. Here we need to annotate the person class with the freezed annotation. Okay. And also define a part of that freeze class as mean generic code. Which means we need to run builder for that. Will be the part of the here I can assign a default value. Okay, on dit que bool il sera assigné en défaut à la valeur is active. Et après on aura besoin de rentrer le paramètre name et user. Ok. So now let's run build runner par ta 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 ta. Ok. Donc terminal. Donc flutter pub run build runner build. On est d'accord? Now we can use the person. Ok. We can use copy with copy property of an object. Ok. That is how they define the data class using freezed. Oh, bah ça va, c'est simple. Par contre, les union class. Alors, ça, c'est encore autre chose. Je t'avoue que je sais même pas trop ce que c'est une union class. On va aller aussi regarder ce que c'est une union class parce que pour le coup, on va devoir apprendre ce que c'est. En seconde, une output 3 actions. Ok. Et il me génère cette classe.
Ok. Ok, ça c'est la classe générée par truc. Et donc ensuite, si je veux appeler ma classe, ça se voit que son code il a fait en deux fois parce que là il dit que c'est un user et il dit que c'est une personne. C'est pas grave. Donc par exemple, dans ma classe, dans mon stateful, on va le foutre par là. Ouais. On va créer une final. Oh. Non, on va créer une var user qui sera à Yala. Ok. Putain, il va me saouler. Si ça te va pas, moi je le déclare ici, c'est bon. Et après, si on la print, il se passe quoi? Donc mon counter, je m'en fiche. Au lieu de faire un counter, il va print. Ah oui, on récupère la méthode copy with. Ah, d'accord. Donc on va print name. On va print email. Et on va print isActive. Pour être sûr, pour voir tout. On va être bête, on va être bête et méchant. Et ensuite, on va faire un user 1. Non, user 2. Faut que je le déclare, pardon. Var user 2. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quand on appuie une fois, user2 égale à user1.copy with. On dit si je me trompe, mais je pense pas que je me trompe, copy with. Et tu vas copier with, je sais pas quoi. Avec isActive à false, par exemple. Et Ctrl C. Oui, c'est les prints qui lui vont pas, il veut des debug prints à tous les coups. Je suis pas en production là. C'est pas grave. Et donc là, on fait la même chose avec mon user 2. Peut-être isActive, c'est pas la solution. Ouais, on va le changer name plutôt. Name, on va l'appeler carotte. Et on va dire que on remplace print, comme ça il y a un temps d'avoir ce warning à la con, par debug. Hop, pardon, je me suis trompé. Par debug, je crois que ça s'écrit comme ça en plus. Debug print. Allez, remplace-moi tout ça, il me fait pas chier. Voilà. Jusque-là, on est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Non. Je me suis trompé, j'ai pas de device connecté. Va connecter Chrome. Pas s'embêter. Va pas faire ça. On va pas faire ça du tout. On va carrément connecter un téléphone. Parce que Flutter, c'est du développement mobile. Non mais oh. Pas se tromper. Parce que je vous avoue que du développement web. Un jour j'entre dans un détail, mais. L'entreprise dans laquelle je bosse en ce moment, voilà. On est en train de faire un web app. Laisse tomber quoi. Un intranet tout entier en Flutter. En web, voilà quoi. Je suis pas du tout convaincu pour le moment par Flutter Web. On peut faire des putains de trucs. Y a pas de souci. Mais un jour, j'en espérerai un peu plus. Mais je trouve qu'en fait le développement il est plus long, il est plus compliqué. En plus, il n'y a pas beaucoup de doc au final. Alors j'ai bien lu l'article la semaine dernière là, qui est sorti.
où ils expliquent le futur de Flutterweb, que là ils vont se focus dessus un peu, ce qui est super, mais en tout cas aujourd'hui c'est galère au possible. Puis surtout que l'effet ça fait style plus style application mobile et pas application web comme on a l'habitude de voir. En fait, je sais pas, c'est le rendu est bizarre. Après par exemple, ça je peux de toute façon c'est une bêta. Tac tac tac. Ça c'est en Flutter Web. Ça c'est en Flutter Web. Connexion, inscription. Et vous voyez le rendu, il est pas. Je sais pas, je trouve bizarre. En plus, le problème c'est que si tu mets pas des selectable text, le problème c'est que ton texte il est pas sélectable, ce qui est aberrant. Je vais me connecter. Je vais me connecter. Là, on se connecte, on a le rendu. Jusque-là, on est d'accord. Là, il charge des données du serveur. Mais il charge, je sais pas combien de données, donc c'est normal. Donc là, par exemple, on est sur les paramètres de l'utilisateur. Okay. Là, on est sur les paramètres. Hop. Il y a des trucs pas mal, hein, je dis pas. Là, on crée un nouveau truc, nanani, nanana, on lui dit ce qu'il faut faire. Mais par exemple, un truc tout bête, alors je pense qu'on l'a mal géré. Je dis pas. Si je fais ça, je reviens à quelle page? À l'accueil. Je dis pas que ça a été qu'on l'a pas bien fait. Après, on l'a fait dans la précipitation, on a sorti ce truc en un mois et demi. C'était pour tester, mais je suis pas hyper convaincu par Flutterweb. Bref. Va pas s'embêter. Je dis pas que j'ai pas envie de faire du Flutterweb. Je dis juste que pour le moment, je suis pas hyper hyper convaincu par Flutterweb. Donc allez, on compile, on run. Puis bah, je trouve que, par contre, faire du Flutter Web pour mobile, je dis pas non, parce que ça permet en fait à l'utilisateur d'avoir carrément une PWA. Et ça peut être intéressant, sachant que c'est ta même codebase que sur Android. Bien évidemment, compilé en JS pour pouvoir tourner sur du web, c'est pas mal. Franchement, je dis pas. Bon. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les frameworks JS qui existent, React, Vue, Svelte, Angular et j'en passe, avec la tonne de docs qui existent sur eux, c'est un peu se compliquer la vie de vouloir faire une app en Flutter. Aujourd'hui, en tout cas. Je dénigre pas Flutter Web, pas du tout. Je trouve que c'est une très bonne idée pour Flutter. Mais je pense que c'est la target en plus, c'est pas la target, ça doit pas être la target principale. Pour moi, c'est plus ta target. T'as déjà fait une app iOS et une app Android, et on te demande un peu de la porter sur le web pour avoir une petite web app qui soit disponible aussi dans les navigateurs rapidement, que la personne puisse consulter de temps en temps. Pas que ce soit le cœur de ton projet. Oui, Flutter Web, tout à fait. Si le cœur, si t'as une bonne partie de ton projet, que c'est du web, qui est autant important que le mobile, non. Par exemple, là aujourd'hui, l'app là que je vous ai montré, elle est en bêta, elle va mettre ça sur le store. C'est le même code. Donc là, pour le coup, voilà, il y avait raison de la faire en Flutter, qui sort sur iOS et Android. Mais l'app que je suis en train de développer en ce moment, qu'on est en train de faire en intranet en ce moment, il n'y a pas de version mobile de prévu du tout. C'est que du web. Pourquoi le faire en Flutter? J'ai essayé. Enfin, je dis pas que j'étais contre l'idée de le faire en Flutter, mais là, on commence à bien avoir un petit peu avancé là et ça commence vraiment à être galère. Alors que moi, je vais proposer à un moment de le faire en vue. Vue, c'est le feu, je trouve. On peut faire des trucs de ouf. Bref, je diverse. Le temps qui compile. Après, on va faire ça. Et là, si j'arrive à faire mes classes, mes data classes, qui c'est déjà pas mal, franchement. Récupérer les data classes en Dart, je trouve ça super cool. Et les union classes. Et voilà. Comment te dire? Je sais pas ce que c'est.
Donc il faudra aussi que je regarde ce que c'est une union classe. Parce que je vais regarder ce package. Dans un prochain live, il va y avoir le package. Tant qu'on y est, je le dis. J'ai prévu de regarder ce package, j'ai prévu de regarder le package rétro fit pour voir le portage de rétrofit en Dart, voir comment il est, voir ce qu'il vaut, voir voilà. Et j'ai aussi vérifié un autre package que j'ai perdu de vue, je sais plus. M'en rappelle plus. Mais bref. On va checker tout ça. Logger, c'est celui-là qui permet de faire des logs à la Android. Ouais. Je trouve stylé. Franchement, je trouve stylé. Un peu inutile, mais stylé. Il doit s'installer en dev dependencies. Même pas. Ok. Et en fait, ça permet de faire des logs comme ça là, colorés comme on a sur Android. Bref. Donc, on va supprimer print. Donc, name email true, carotte email true. Super Maxime, on recommence. Donc, ça marche bien. J'ai fait une bêtise. Des fois, regarder mes lives, je me dis, mais. Et bon, là on comprendra. Rebuild. Petite erreur, j'aurais pu regarder, c'est pas grave, on s'en fout. Hop. User a name. Nanana. Ok, donc en fait, avec tu crées un user 2 qui copie l'email et qui copie user 1. Propre, simple, efficace, rapide. Pas mal. Et RAM, cet ordi, des fois ça me saoule. Tu veux pas? Ok. Sais, des fois, faut pas y aller en mode teubé, hein. Ok. Donc, on a créé notre data class. Simple, efficace, rapide. Package freeze pour créer data class. Je valide. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? De ce que j'ai vu, il pouvait créer des union classes. Donc, on va aller voir ça de suite. Hop. Union class. Ah, parfait. Tu vois, il y a un lien pour voir ce que c'est une union class. Très bien. C'est en Kotlin, ok. Select class. Ah, c'est les classes qui sont dans des classes, là, il me semble. On est peinard. Je pense qu'on est tranquille. Alors,
Qu'est-ce qu'il dit de faire? Donc là, il utilise bon, sa fonction user, ok, très bien. Il crée result qui va être un donation, ok. Donc pour faire result, qu'est-ce qu'il fait? Il crée pareil une annotation en freeze. Before adding this code, we need to run our build runner also. We can watch the code change and generate code. Va un peu trop vite là, Amazon, non? Donc là, on fait le truc, on lui dit qu'il va y aura une fonction initiale, success loading, qui fera partie de result.freeze, qui lui-même sera dans user. D'accord? Current state. Quoi? Can you generate une unclass for our application? Runner, build runner. Bon, ça, ok, j'ai compris. Là, je récupère un current state when. Saute des étapes là, non? Après, il rajoute un JSON sur Isab. The JSON data from the data class, to the data class. Ok? Add JSON sur Isab. Ok. Nanana nanana. Ce truc, il marche pas. Pardon. J'avoue que là, les union cases dans son exemple, c'est un peu nulle part quand même. Là, il fait un JSON serializable, from JSON, nanana. Et ensuite, tu décodes toi, ton truc et tu. Ok. Il va un peu rapidement, lui, quand même, non? Attends, il me saute pas une étape là? Return, 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 return. Tac, 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 tac. Mais là, je trouve qu'il va un peu vite alors. Est-ce que on peut voir son code? Voilà. Son code date d'il y a 3 mois. SS. Ah bon. Si elle est SS, alors on est pair. Lib. Alors. Va regarder son code. Result main. Donc il fait son stateless dedans. Il a quoi? Scaffold, detention button. Perform action, tic tic, à part, on s'en fout. Get data from the web. Ah voilà. Current state. Il va déjà recommencer. Result.initial. Pourquoi c'est coloré comme ça? C'est pas beau. Là, j'ai son user. J'avoue que j'ai pas tout compris là. C'est un bug de mon écran là, ça devient tout bleu. Deux secondes, je coupe le micro.
Retour. 30 secondes, désolé, excusez-moi pour le dérangement. Donc, j'ai envie de faire quoi? Non, mais plus. Je vais arrêter le live dans pas longtemps, je pense, par contre. Ça, c'était pas prévu. Donc, lui utilise Flutterhooks. On sait pas pourquoi, il appelle jamais. On est d'accord qu'il appelle jamais son Flutterhooks. Ah si. Codega Après, il nous fait un JSRiver Pod. Ah non, pardon. Pouh, tant pour moi. J'ai provider, j'ai state provider. Putain, ça m'a sorti du boulot. Donc, il fait son machin, il récupère son user, il simule comme s'il faisait un call. Le placeholder pour avoir une image. Tac, tac, tac. Il passe en résultat success, il passe l'user. Et en résultat erreur, il y a une phrase. Set state, set state, set state. Et là, en fonction de son état du current machin, when, ils ont déjà. Donc, en fait, son codega header, il n'utilise jamais. Ouais, bah, je vous avoue qu'aujourd'hui, là, je trouve que ça a un intérêt en data class. Par contre, en sealed class, j'ai pas l'exemple qui me dit. Ouais, là, y a moyen, là, ça peut être pas mal, là. On va quand même l'ouvrir pour regarder, mais bon. Je suis pas hyper hyper convaincu. Convaincu. FlutterDev, j'ai bien aimé l'article, il était pas mal. Pour le coup. Ça va être un petit live rapido, parce que j'ai du stream pendant pas longtemps. Ça, voilà, je la regarderai tout seul pour voir ce qu'il rajoute en plus, s'il explique des petits trucs en plus. Et il donne vraiment un intérêt d'utiliser la sealed class, surtout. How would you like it if Dart had data classes and sealed Data classes class. as we know them from Hop, hop, hop. Kafka? It would be perfect, but while these features are being worked on by the official. Pardon. C'était moi pour cette petite interruption. Je la regarderai pour essayer de comprendre les sealed classes. Enfin, un cas d'utilisation des sealed classes. J'en ai déjà vu, mais là, je trouve que l'implémentation est un peu pourrie. Enfin, elle me convient pas. On va aller juste compiler son truc là pour comprendre un peu parce que j'ai l'impression que son Flutterhook qu'il n'utilise pas parce qu'il est un peu con, cela dit. Et après, je vais arrêter là et vous laisser parce que voilà, j'ai un petit truc qu'il faut que j'aille voir qui me plaît pas. Voyez, récupère tes packages, lib, hop. Marche une fois sur deux ce plugin. Pardon. Je trouve. Vous savez le truc qui ça fait des lignes là, tac 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 tac, et pour nous dire comment sont nos. Comment sont nos. Widgets. Mais pour un truc qui est censé m'avoir compilé là, il met trop plomb.
Allez, putain, mais il te faut ta journée ou quoi là? Pardon. Je m'énerve pour rien. Excuse-moi. Excusez-moi, excusez-moi. C'est ouf comment OBS il me défonce l'ordi. Mais il me le tue là. Vous imaginez même pas comment ça. Oh. Bon allez, Notion, t'as pas envie, t'as pas envie. On va gagner un peu de RAM. On va surtout éviter de perdre. Voilà. Donc, maintenant. C'est la clé générée par Jason Sarizade. On regarde cette compile, je veux juste voir comment il fait sa petite classe là, et puis je vais vous laisser pour ce soir. Je vais arrêter le live là. On a vu ce qu'était la freeze class, ça me donne aussi une idée de quand je vais vouloir regarder des packages, tester des packages. Dans le format no package, c'était un test, et ouais, ça va prendre une petite heure à chaque fois. Dépendra le package, je pense qu'il y a peut-être packages, il faut les prendre un peu plus à la longue, prendront peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Mais je vous, c'est pas très compliqué, t'as une ligne de code et terminé quoi. Il suffit juste qu'après tu te crées ton snippet et puis pouf, ça te génère ton machin. C'est ça en fait, parce que c'est toujours pareil. Si tu veux te faire un adapt à ta classe, ta data class en gros, elle a besoin de ton nom, ton. Hop, elle est où ma data class? T'as besoin de ton email, ton mot de passe, ton nom. En fait, tu génères ton snippet qui génère ces trois termes-là. Ça, si tu rajoutes. Pardon, si tu veux rajouter serialized, JSON serialized, c'est bien français ce que je vous dis là. Et voilà, t'as ton truc en fait. Voilà, donc s'il a plusieurs lectures, il se fait quoi? Récupère ma data. Donc, ok, très bien. Donc, dans l'idée, sur son bouton Perform Action, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le loading de current state et donc en fait, il fait un HTTP response de placeholder. Très bien. Il lui dit qu'il va décoller son JSON. Parfait, tac, tac, tac. Lui, il passe le décode dans. Des codes, ça vient de. Ouais. Parce que. Non, ok. Si c'est success, alors tu lui mets l'user. Ok. Tu fais un update. Si c'est une erreur, tu fais ça. Si c'est une. Ok. Et donc, on a dit que sa seed class qui résulte, qui est inaccessible ailleurs, en fait, il a un initial, un success, un. Et initial, c'est.
qui l'initialise par là, il me semble. Donc, on est d'accord que si je fais ça, j'ai pas d'erreur. Voilà. Flutter Hook, il l'utilise pas. Bref, c'était. Voilà. Ok. Bon, ça va. Tranquille. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce live vous a plu. En tout cas, bonne nuit tout le monde, bonne soirée à tout le monde, bon ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Alors, juste pour info, je streamais le lundi et le jeudi. Je pense que je vais passer qu'au jeudi. Le lundi, je ferai plus des enregistrements de vidéos que je posterai sur YouTube. Voilà. Parce que pour info, j'ai aussi une chaîne YouTube. Vous trouverez le lien quelque part par là, machin. Là. Je fais descendre ma tête, elle est partie en dessous de ma tête. Là, c'est le nom de ma chaîne YouTube. youtube.com/, et vous tomberez sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Parce que le lundi, j'ai envie d'enregistrer des vidéos. Je vais faire un. Vous allez voir, ça va être un petit concept un peu comme j'ai fait là en live. Parce que ça sera en vidéo, donc un peu plus poussé, un peu plus carré, un peu plus tac. Ça ne sera pas de la découverte comme on est en live. Ce sera autre chose. Bon. Sur ce, je m'égare. Bonne soirée à tout le monde. Tchuss.